ton informateur? On s'en fout! Ton crew apprécie pas vraiment tes sales coups. Tu veux en voir des sales coups? Je vais t'en montrer, moi. Eh bien, salut tout le monde, c'est QR9 pour une nouvelle vidéo sur Need for Speed Payback qui y pousse le monsieur. Ouh, j'ai chaud. Alors, j'ai un petit peu retouché la Porsche histoire qu'elle vale un petit peu plus parce que bon, on était sur du 350, je crois. Alors que la course en recommandée, on était sur du 380. Oh, ça sent pas bon cette histoire. Ok, c'est bon. Surtout bien soigner les champs. C'est plutôt à moi de te le dire, ça. Le mec, je l'ai plié. Putain, c'est pas facile ici. Hein. Wax, c'est pas facile à... Là. Tout ce matos doit alourdir ta bagnole, Holtzman. Ce matos vaut beaucoup plus que toi. Ouais, enfin, vu ce que je t'ai mis, je pense que j'ai cassé ton matos, en fait, donc... Oh, fais chier. Oh, fais chier. Problème tout seul. Je sais pas ce que je lui ai fait à sa voiture. Enfin, je l'ai percuté, mais là il avance plus. Je l'ai coincé contre un mur. À tous les coups, c'est ça. Et comment tu sais sur quoi on enquête? Disons simplement que j'ai des amis. On a tous des amis, Holtzman. Pas comme eux, gamin. Pas comme eux, non. Laisse-moi deviner, est-ce que tu vas mettre les flics à la fin de la course? Ah bah tiens, on va en... quand on va revenir, on va pouvoir voir ce qu'il fait. Ah, trop bien! Toi et ton petit groupe, vous commencez vraiment à me taper sur les nerfs. Tu l'as mal pris parce que tu as vendu à l'hameçon? Quand le clan s'occupera de toi, tu le regretteras. Ton enquête va t'apporter des ennuis, gamin. Oh, c'est compliqué ici, franchement. Oh, que c'est compliqué. Tu vas encore m'envoyer les flics, Holtzman? Cette fois, c'est entre toi et moi. J'ai promis à mon vieux pote le percepteur que je m'occuperai de toi. Cette pote? La vache, tu vas pas venir à Bolton. Moi, j'attends. Moi, j'attends le défi. J'aurais peut-être freiné. Si tu veux, je peux faire la course en marche arrière, y'a pas de soucis. Hein. Je sais que t'aimes cette vue. Il est où? Je sais pas ce que je lui ai fait, mais ça a pas dû me mettre bien. Saute, bébé! On est presque au bout, Holtzman. T'es où? Oui, j'avoue, t'es où? Mais je te vois pas. Je te jure, je te vois pas. Ah, c'est complètement fou. Allez, on va se faire le beau jump. Ouais, je vole. Oh, c'est la classe, ça. Hop. Pas de soucis. Il était là avant. Je crois qu'il est en train de me pousser, en fait, son 4x4. C'est fou. Son pick-up, plutôt. Oh là là. C'était un très bon, une très bonne course de boss. Hein. Digne de... Non, même pas, non, j'allais complètement insulter une sorte plus underground, mais bon, voilà. C'est... Ouais. On n'est pas au niveau de Eddie, hein. Pour ceux qui voient qui c'est. La Porsche est complètement défoncée. Il y a combien de tours hein? Ça fait pas un moment que j'ai fini, hein, franchement. Ah, d'accord. Et là, le mec, il me tape, moi, tu sais. Il m'envoie une carapace bleue, je suis dans la merde. Alors. Chilori. C'est la mer.
Et voilà, c'est fini. Et en plus, j'ai mon coffre qui est ouvert, monsieur. Monsieur. Oh là 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 là. Dans la voiture. On va avoir du boulot en live. Hein. Oh, on va avoir du boulot en live. Moi, je vous le dis. Ouh là 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 là. Vous savez pas dans quoi vous vous embarquez, toi et ton crew. Oh, tu sens interdit. Tu vas entrer dans l'arène. J'espère que vous êtes prêts à tout perdre, tes amis et toi. Une fois de plus. On reprend notre ville. Le clan va plonger. Tu nous fais pas peur. Tu vois, ton erreur, c'est de croire que ça se limite au clan. Mais pour en revenir à ton petit jeu, en tout terrain, plus personne ne se dresse entre le rush et vous. Surveille bien tes angles morts, on t'a à l'œil. Prépare-toi à voir un sacré spectacle. Oh, t'inquiète, tu sais, la Panamera est équipée de surveillance d'angle mort. Je pense que j'ai pas trop de soucis à ce niveau-là. Bon, écoutez, on va changer de voiture après cette blague plutôt douteuse. Hein, n'est-ce point? Qu'est-ce qui est comique, ce Kimi? Oh là 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 là. On va aller se prendre la voiture, monsieur. Monsieur, on va niquer les mains. Bon, sinon, mis à part, je veux juste... Non, en fait, je peux pas. On va aller faire la route là-bas, hein. On va parler un petit peu aussi, hein, accessoirement. Sinon, bah, la route risquerait d'être longue. J'ai remarqué en fait dans les commentaires. Ah, putain, j'avais complètement oublié. Pilote, ici la gardienne. Il n'arrive que des bonnes nouvelles du centre-ville en ce moment, mais il y en a une qui me fait très plaisir. Chers amis, Mac a mis une belle rouste à Holtzman de Hazard Company. Je peux pas dire que je le plaigne. À ceux qui m'écoutent, si vous croisez Mac dans les rues, klaxonnez deux fois de ma part. Mac, c'est vrai? T'as battu Holtzman? What? Ouais. Je veux dire, bien joué. Bon, oui, alors la bête qui est de retour, hein, ceux qui ont regardé le live le savent très bien. C'est magnifique. De toute façon, c'est la voiture incontournable. Ah, bon, ça c'est rien, c'est la conversation classique. Donc bon, oui, c'est la voiture incontournable en fait de la chaîne. Hein. Elle était là dans Need for Speed 2015, elle était là dans... Non, Forza Horizon 2, Forza Horizon 3, maintenant Need for Speed. Payback. Moi je te le dis, Forza Horizon 4, la bête elle reviendra. En fait, elle reviendra aussi longtemps qu'il y aura des ouracanes, tout simplement. Peut-être qu'un jour elle mutera. Pour une nouvelle Lamborghini, nous ne savons pas. Enfin. Oui, sinon, il y a beaucoup de gens que je vois dans les commentaires et surtout en live qui me demandent en fait mon avis sur les sorties de Payback, parce que en ce moment c'est bientôt Noël, on le sait tous. Et des gens, hein, tout simplement, se demandent s'il faut acheter les sorties de Payback. Alors moi je vous le dis clairement, si vous l'achetez pour le multi, vous êtes réellement dans la merde. Hein. Franchement, j'ai jamais vu un multi aussi gadget que... En fait, maintenant, réfléchissant, les multis sont tous un petit peu gadgets. Enfin, pas un BF, par exemple. Mais je veux dire, les multis des jeux de voiture sont gadgets, de base. Ce qui fait que c'est triste. En fait, je me dis, ils devraient faire un système de classement. Bon, ils en ont fait un petit peu, là, sur Need for Speed Payback, mais c'est du bullshit. Ils devraient faire un système de classement comme à la Counter-Strike. Ouais, comme où il y a des niveaux globaux et tout. Bah là, ça serait cool. Enfin, il devrait essayer de faire ça, je pense, dans Need for Speed. Bon, sinon, la campagne, oui, elle est pas mauvaise. Il y a des bonnes scènes d'action, mais après, vous le voyez bien avec le let's play. Hein.
ça se répète plutôt pas mal, et puis voilà, hein. Puis il y a des choses qui ont été enlevées aussi. Il y a de la personnalisation en moins, comme il y en a où ça s'est rajouté. Il est très bizarre en fait, le problème, c'est il est vraiment bizarre. Notre payback, j'ai l'impression que Ghost ne veut pas tout mettre. Ne veut pas tout mettre dans Payback. C'est compliqué. C'est très compliqué. On va voir ça dans la course. Un tien invité sur... Ouais, ça devrait le faire. J'ai la bête. Oh mince, désolé. On a dû changer d'endroit. Blague. Mine-toi, Sokka. Faudrait pas manquer la course. D'accord. Bon, bah écoute, c'est un petit peu con ce que vous me faites. J'aime pas trop ça. Enfin, un Need for Speed Payback. On a l'impression que Ghost, en fait, ne veut pas tout mettre d'un seul coup. Surtout que... il y a des choses que tu comprends pas. Tu orientes ton jeu, en fait, sur la customisation, mais il manque beaucoup de voitures. Enfin... rien que la Toyota Supra. Je sais pas si des gens savent qu'elle n'est pas là. Et pourtant, la Toyota Supra, mais... c'est impensable. Impensable pour un Need for Speed 2015, ou même... enfin, ce Need for Speed 2015 l'avait. Mais... Need for Speed Payback, il n'y a pas de Toyota Supra, mais c'est je sais pas, c'est comme The Crew quand il est sorti sans la Nissan GTR. Il y a un moment tu te dis mais c'est pas possible, c'est impensable. Mais enfin, voilà, c'est... il y a un moment tu comprends pas les choix de Ghost au niveau de leur jeu. Je veux pas cracher sur Ghost, mais j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu flemmards. Ou alors EA ne leur donne pas assez de temps. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais en tout cas, Ghost, si jamais vous m'écoutez, eh ben, embauchez-moi comme conseiller. Hein. Moi, je vous fais un putain de jeu. Hein. 220 voitures, mon gars. Parce que c'est complètement possible de mettre 220 voitures dans Need for Speed. C'est complètement possible. Il y en a des voitures. Il y en a. Oh là là là, on a vu quand... en plus une petite conversation sur notre Discord sur les voitures qui manquaient sur Payback. Et ouais, franchement c'est triste. Il y a des moments où tu pleures. Comme repenser à la Infiniti, je crois que c'est la Q25. La Infiniti Q25 qui est l'une des voitures que l'on custom, que l'on voit dans des rassemblements, etc. On voit des gens customer leur Infiniti. Les Infiniti sont customisables, attention. C'est pas que des voitures de président. Et le problème, c'est qu'en fait, elle est dans Need for Speed, la Infiniti Q25. Quand tu la vois, tu la vois en voiture civile, la Infiniti. Mais elle n'est qu'en voiture civile. Donc tu lui fonces dedans parce que dans une épreuve, tu gères mal ton drift ou quoi, et elle est là, elle est devant toi, donc tu lui fonces dedans. Mais tu peux pas la conduire. Et c'est con. C'est con, c'est très con. Alors je vous montrerai une Infiniti Q25, je pense, dans l'épisode. C'est largement possible. On en voit énormément, en fait. Mais bon. Moi, ça me rend triste, tout ça. Ça me rend très triste. Oh là là. En fait, on n'aura jamais de Need for Speed complet. Puis vous verrez sur Need for Speed, le prochain Need for Speed, je dirais... on est quoi, en 2017... Need for Speed 2019. C'est comme ça que ça va être à tous les coups. Vous verrez qu'il y aura des trucs de Need for Speed 2015 qui vont revenir, mais des très bonnes choses de Need for Speed Payback qui vont s'enlever. Ça va être ça, en fait. C'est gros problème. Mais enfin. Puis j'aimerais bien un petit système d'intempéries aussi sur un... parce qu'il pleut pas. Et ça pourrait être vraiment kiffant qu'il pleut. Et un mode multi qui fasse pas gadget. Avec, je sais pas moi, un système de gros classement, tu sais. Où tu dois vraiment créer ton clan. Une sorte de semi-e-sport, tu vois. Tu crées vraiment ta bande d'amis, tu vois. Avec un mec qui est vraiment genre dans le drift, un mec qui est dans les cours. Enfin, tu vois, ça serait kiffant. Il y a un truc à pousser, tu vois. Et je pense que Need for Speed peut faire ça. Parce que sur un Forza, tu peux pas faire un système de clan. Mais dans... sur Forza, tu peux pas faire un système de clan. Mais... la course peut commencer. Sur Payback, tu pourrais faire un système de... c'est ça le truc. Mais bon. Dommage. Embauchez le Kimi. Moi, je vous le fais, le jeu. Enfin, je vous le conseille, hein. Je vous le code pas, par contre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut avoir un Dushidori? Bah non. Allez, hop. Je suis prêt.
Ah, arrivé à la destination. Est-ce que je peux rechanger de voiture? J'aimerais bien rechoper la... Nous sommes sauvés. Ouf, me voilà rassuré. De toute façon, on n'aurait pas commencé sans toi, vu qu'on est là pour te faire mordre la poussière. La seule poussière qui m'intéresse, c'est celle que tu vas manger. Oh, on dirait que Tokar monte sur ses grands chevaux. Regarde ce qu'il va te faire, Tokar. Je vais te montrer la puissance de la bête, tu vas rien comprendre. Alors, ne touchez aucun véhicule et gagnez la... Ah, oui, par contre, j'ai la bête, en fait. Elle percute. T'as d'autres trucs sympas à me dire, Natalia? J'ai tout dit dans mon émission. Toi et ton crew, vous me rapportez plein de vues. Merci. Allez, en avant. On attend, là. Allez, salut. Salut. Bon. Bah écoutez, comme ça va être une course assez passionnante... Oh, c'est galère ici. C'est galère, là. On va avoir un gros virage, me semble-t-il. Oh là 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 là, la ouragan, monsieur. Faites des dons, je refais la bête in real life. J'ai pas touché la voiture. Oh, le frein à main, le saint frein à main. Ouais, faites des dons et je fais la même ouragan dans la vraie vie. La bête. Oh, ça serait trop bien. D'ailleurs, faut que je change la plaque d'immatriculation de cette voiture et que je mette bif à l'arrière, ça serait stylé. Bon, pour rappel, on était censé mordre la poussière. Moi, j'informe, pour ceux, les trois du fond qui n'ont pas écouté. Voilà. Ah, c'est vrai que là, pfouah. Franchement, c'est dur, hein. Cette course est vraiment compliquée. Hein. Regardez-moi ces routes en trois voies. Oh là là. Ces virages compliqués. Eh ben alors, je vais trop vite. Oups. Ouais, ce virage-là, il est chiant. Même dans le multi, quand on fonce à 3, hop, petite esquive, bien sympathique. Il y a quand même 2-3 pièces Chidori sur la voiture. Je sais pas si vraiment ça influe, en fait, qui est... je sais pas, imaginons qu'il y ait plein de pièces Americana, et qu'ensuite tu aies, je sais pas, 2 pièces Chidori. Est-ce que ça influe sur le comportement de la voiture? Je ne sais pas. Ça pourrait être intéressant. Mais comme je l'ai dit, en fait, c'est pas comme ça qu'en fait... Vous pouviez rien faire. Qu'il devrait faire... Du genre... c'est compliqué, genre, faut vraiment remodifier les pneus. Les pneus, c'est important. Ils doivent être customisables. Enfin, changeables, plutôt. On va passer là, on va faire attention de pas toucher la voiture. Ah, mais je peux faire un petit peu ce que je veux, hein. Franchement, est-ce que vraiment c'est passionnant de regarder quelqu'un faire une course avec personne? C'est une démo technique. Voilà, c'est compliqué. Bon, je peux me permettre de freiner, tu comprendras les autres derrière. Bon, hein. Est-ce que je peux les voir? Non. Ah si! Ah si! Oh, mais je suis tranquille! Bon. Hop là! On va passer par là. Ouais. Un petit coup de nitro. Mais y'a pas d'effort à faire, Tyler. Y'a pas d'effort. Mais le régulateur, on est prêt. T'en fais pas. Ouh loulou, j'ai eu de la chance, hein. L'amour du risque, c'est dangereux. Ouais, ça tourne, hein. Ouais, on a une bonne progression, visiblement. Putain, c'est vraiment compliqué, hein. J'y arrive pas à ce virage. J'y arrive pas. Ça se termine quand? Attention, il y a des voitures. Voilà. Ah, mais normalement c'est là, ouais. Oh. Et voilà. Bon, j'espère que c'était pas trop chiant. Ouais, j'espère que c'était pas trop chiant, mais bon.
Bon, après, j'y peux rien si ma voiture, elle poutre, quoi. 22 500 grenis. T'as vu ça un peu? Oh, le respect! C'est pas Chidori! Ce n'est pas Chidori! Ouais! J'imagine que t'es content de toi? Ouais, on peut le dire. J'espère que tous les fans du One Person Club étaient là. Les fans s'en tapent de voir un tocard affronter mes pilotes les moins bons. Par contre, Lina Navarro n'en a pas perdu une miette. D'où tu le sais? Disons que le clan a certains intérêts dans cette course. Peu importe, c'est Rivette à la caméra, tocard. Ça tourne là. Rendez-vous à la prochaine course. Je vais te défoncer. Rien laisse tomber, la Huracan est là. Oh là 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 là. Cette voiture, cette maniabilité, monsieur. Non mais franchement. C'est où? On va changer de voiture. On va prendre... Aïe 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 aïe. Il y a le choix, monsieur, il y a le choix. Bon, non, la Porsche, on l'a déjà bien assez vue. L'Aston Martin, je pense que je vais la reprendre, bien sûr. On a bien sûr la voiture des abonnés qui est 327. 327. Je suis en train de me dire qu'avec la voiture des abonnés, on a possibilité... On va un petit peu galérer parce qu'elle n'est pas forcément super améliorée, mais au moins... Allez, allez, on va la prendre, comme ça. On va un petit peu galérer dans l'épreuve, etc., etc. Et ça sera palpitant. Mon crew commence à me gonfler. Même pas foutu de gérer Tocard de Tocardville. S'il perd celle-là, c'est toi contre moi. Tocard de Tocardville, c'est marrant ça. C'est pour moi. Peut-être que je vais même trop galérer. Mais dégage. Ouh, le petit rageux. Le petit rageux. La voiture des abonnés qui devrait être update. Bonjour. Alors voilà, je me présente, je m'appelle Kimi. J'aimerais bien réussir ma vie et voilà. Bonjour. C'est la pédale de droite, connard. Ouh, mais ça c'est. Mais c'est ce que je balance sur Forza. Et mais Tyler, c'est moi. Oh. Je suis peut-être Tyler. Putain, mais c'est ma réplique. D'ailleurs, c'est aussi la réplique que je sors dans la vraie vie, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est... What the fuck. J'adore Tyler. Bon, bah, au final, on aura galéré au début, et après, le jeu, il nous laisse gagner. Ouais. Il est sympathique, hein, le jeu. Hop, petite esquive. On va ralentir un petit peu. Le mec il sait plus quoi faire. S'il vous plaît, mais venez participer. Regardez-moi ça, mais je ralentis, les mecs ils sont même pas là. Ah ça y est. Allez, 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 allez beau petit, allez. Allez, au moins qu'on puisse voir quelques petites voitures. Ah, en fait, si vous voulez vraiment ne rien manquer de la course, regardez le radar. C'est peut-être la partie la plus intéressante. Voilà. Ah bah non, mais c'est reparti, ils s'en vont. Oh mais... Attends mais allez... C'est pas possible, faut que je regarde le niveau de la course. Mais je vais prendre une voiture 200, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Allez, allez. Je rétrécis, enfin je ralentis, hein. Voilà. On peut passer par la terre, j'imagine, hein. Ça doit être un sacré raccourci, non? Enfin, si t'arrives à bien le prendre, j'imagine que ça va être pas mal. Mais vous êtes trop lent. Mais oui, mais complètement Tyler, on est d'accord. Mais regarde-moi ça. Need for Speed fait quelque chose. C'est à eux qu'il faut mettre un nitro scénaristique, pas aux flics. Oh, j'ai complètement oublié qu'il fallait que je drift. C'est l'oubli.
Bon, je pense que c'est mort pour le défi de drifter, hein. Mais qu'est-ce qu'ils sont longs ? Allez les gars, motivés ! Oh là 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 ! Bon, ouais, c'est le genre de moment où vous pouvez parler entre vous, hein. Voilà. Je sais pas, du beau temps et tout, etc. Allez-y, allez-y. Bah alors c'est des blagues, tiens, dans les commentaires. Si quelqu'un a une bonne blague, c'est le moment. Oh lolo. On peut changer la difficulté du jeu. Attention Max. Va falloir mettre un mode super hardcore en fait. Le mode difficile ne suffit pas, monsieur. Bon. Ah, une voiture. Ah, c'était trop juste. Ah, complètement. Attends, il faut que je drifte sur la fin. Voilà. Et hop, c'est parti. Quoi qu'il restait un petit peu de distance visiblement. Ouais ouais hein. 9 et quelques kilomètres. Au final ouais. Si on fait la course en marche arrière. Oh non, au final non. Je me suis inquiété pour rien. Il me restait encore du temps. Enfin. Tiens, mange. Tu parles tout seul, Tyler. Comme je suis en train de le faire actuellement. On va rouler en contresens, c'est beaucoup plus mouvementé. Mais en fait, vous savez pas conduire. Ah ouais, mais complètement Tyler, ils ne savent pas conduire. Je crois qu'ils ont même pas passé la seconde. D'ailleurs, ça serait con, tu vois. Tout faire en premier. Oh, c'est chaud. Est-ce que c'est possible? Je sais pas. En fait, on va combattre le gamin autologue là sur le côté là, qui me propose son temps de 7 minutes, 2 secondes et 57 millièmes. Allez hop, c'est parti. On va essayer de battre le gamin. Attention à la voiture. On tourne par là. Hop. C'est extrêmement long, hein. Franchement, hein, voilà. Tout est dans la trajectoire. Hop là. Attends, la voiture des abonnés a quand même vraiment la classe. Oh là 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 là. Ouh, mais c'est stylé que ça m'a. Regarde-moi ça, mais en fait, franchement, hein, j'ai même pas vraiment trop résisté au final, hein, je sais pas. C'est passé tout seul. Oh là 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 là, cet écran de fin. Oh le respect. Regarde-moi le respect. Oh, nous, on a trouvé le respect où il était. Bon, je peux. Quatrième fois, cinquième fois, centième fois au niveau 50, mais ce n'est pas grave. Alors, une pièce niveau 16, nanana. Ah, tu touches à ma capacité nitro. On va prendre l'Aston Martin. Ouais, on va prendre l'Aston. Mais qui sont nuls mais nuls. Ah mais oui. Comme c'est la chieuse en chef qui t'intéresse, allons-y. Peut-être que quand je t'aurai battu, tu pourras me dire ce qui se trame par ici. T'as déjà essayé de changer, mais genre complètement, hein. Tu gagnerais peut-être en popularité. Hé, hey, Natalia, de nous deux, on sait qui veut se faire remarquer. Et c'est pas moi. Oh, arrête. Oh là là, Natalia. Natalia.
affronter le vainqueur de l'Outlaw's Rush. J'adore t'entendre délirer. Mais qu'est-ce que tu peux dire comme connerie, sérieux? Franchement, prépare-toi. Hein. Nova Baby, ici Supernova, en direct depuis la piste. Quoi? T'es en direct, là? Prévenez vos amis, cette livrée des pizzas. Ce soir, en direct, Natalia contre le tocard. Alors déjà, c'est pas très sympa. Et faut que tu te calmes. Et voilà. Là, j'ai pas grand chose à dire forcément là. Tu devrais allumer tes feux quand même. C'est dangereux. Pourtant, on vient pas le boss par hasard. Tu vois cette voiture? J'éclore juste l'accélérateur là. Ouais, bah écoute, tu devrais commencer à appuyer sur ton accélérateur, si tu vois ce que j'espère je veux dire. Ça se verra pas. C'est qu'elle me rattrape. Vous vous souvenez peut-être de l'horrible sortie de route de Tyler il y a quelques mois. Je vous rassure, il a pas changé du tout. Allez, dis bonjour au public, Tocard. Regardez, je vais la massacrer, votre superstar. Allume tes feux. C'est dangereux. Oh, merci pour le don, Wolf JFK. Encore $5 et je vous sens ce que vous voulez. Allez, ça tente quelqu'un? Comment tu fais pour concentrer sur pilotage et diffuser en live en même temps? Quand Tocard disparaîtra après sa défaite. Gagne, on verra après. Non, t'inquiète. Ouais. On est là grâce au clan. Je peux pas perdre. Oh merde, je me suis chié. Fort d'écouter déblatérer tes conneries. Pas mal ça, j'aime bien, hein. c'est un bon dépassement. C'est très loin d'être joué. Ouais. Parce que voilà! As-tu vu la sainte DB11 se dépasser avec une aisance dans ce drift? Bien sûr que tu l'as vu. Tu ne pouvais voir que ça. What the fuck? Tu sens que le jeu est en difficile. C'est peut-être la vidéo, Natalia. Peut-être le boss le plus rapide que j'ai. Arrête, tu veux? Fais chier! C'est pas moi, c'est eux. Elle est à DB11. Là, on se donne. Oh, la puissance britannique. Allez, 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 allez. Natalia, si tu veux accélérer, c'est maintenant ou jamais. Genre maintenant, hein. Genre là, profites-en, Natalia. Natalia, vas-y, fonce! Fonce, Natalia! 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 Oh là 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 là. Fin du show, Natalia Nova. J'aime bien ce prénom, Natalia. Je trouve ça classe. Ouais. J'aime bien. Bon, c'était amusant, hein. Bon, après, la DB11, elle est pas super nerveuse. J'aurais pu prendre la bête. Et là, par contre, en accélération, à chaque fois, ça aurait pas été du jeu. Clairement. Clairement. Bon, enfin. Hop.
Bon bah voilà. C'est qui va à la Close Rush? Hein? C'est qui, c'est qui? C'est Bibi. Oh là 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 là. L'Outlaw's Rush. Morgan y sera. Peu importe. On le battra. Après, je m'occuperai de toi. Ouh, j'ai peur. C'est quoi, ça? La dernière pièce du puzzle. Si tu gagnes, le clan pourra avoir tout Silver Rock. Si tu perds, le clan n'aura plus rien. Il devra nous rembourser, moi et tous les autres. Ton casino? Tu veux parier ton... Tapis. Je contrôle l'Outlaw's Rush. Tu veux perdre tout ce que t'as, c'est ton choix. Ah, attention, c'est un pari risqué. Il sera d'accord, ton boss? Quand je lui filerai les clés de ton casino, il pourra plus rien me refuser. Je te le souhaite. Que le meilleur gagne. La meilleure. Tyler? Bonjour, Ty. Qui c'est? Tu me reconnais pas? Oh. Tu vas me vexer, Tyler. Dans les digues, on me prend déjà pour ton attaché de presse. Ça, c'est la voix de la rue. Ton crew est admis à l'Outlaw's Rush. T'as réussi. J'aimerais bien te féliciter, mais c'est l'enfer qui t'attend. Dis-toi juste que t'as plein d'amis en ville qui te suivent depuis le début. Bonne route, Tyler Morgan. Sexy. Bon, allez, un petit coup, un autre coup de téléphone. J'avais réussi. Je le crois pas. On l'a fait, Jens. Nous tous, ensemble. Bien joué. Rendez-vous à l'aérodrome. Faut qu'on cause stratégie pour le jour de course. Ça marche.